Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. J'ai monté 4 étages, 88 marchés exactement, à dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche, et tout ça en 28 secondes, 73 centièmes. Eh, pas mal pour un quinca, hein. Il n'est pas encore pourri mieux. Et pourtant, je passe 10 heures par jour cuisiner dans mon taxi, comme entraînement dans le mur. Fils de pute! Quoi? Peut-être un peu pour voir, là, je rêve ou tu viens traiter de ma mère de pute, là? Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne le fais pas exprès. Ben voyons, d'abord tu traites ma mère de pute et après tu t'excuses. Non mais dis donc, mamie, tu t'es jamais pris un gros pain dans ta gueule? Encore une fois, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je vous assure que c'est plus fort que moi. Écoutez, je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Alors, je dis des insanités, je fais des gestes obscènes, mais c'est sans le vouloir. Ça sort de ma bouche, malgré moi. Sans déconner. Sans déconner, oui, oui, je vous jure. C'est la stricte vérité, enfin. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans et j'en ai 53. Alors, vous voyez, ça fait des décennies que je consulte. Mais il paraît que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, si, elle peut se guérir, si on s'y prend tôt. Mais à mon âge. Mais dans un cul. Donc, vous voyez, c'est sorti tout seul. Bah, excusez-moi si j'ai mal réagi tout à l'heure, mais je pouvais pas savoir. Non, mais bien sûr, mais vous savez... Ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Ah oui, mais ça doit être terrible à vivre un truc pareil. Ah oui, c'est pas évident, oui. Mais vous savez, avec l'âge, eh bien, on finit par prendre l'habitude. La crème bâtard. On appelle ça une petite crise. Ah bah oui, je vois ça. Et c'est pour ça que j'ai demandé un rendez-vous avec ce grand docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Ah, pas l'un des meilleurs, le meilleur. Enfin bon, eh, d'après mon tout vide, eh, vous rendez compte, 13 mois et demi pour obtenir un rendez-vous. 13 mois et demi, ça fait 410 jours, 9840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Eh, ben, il se mouche pas avec le dos de la cuillère, hein. Oui, et en plus, il ne voit jamais un patient deux fois. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Et toujours d'après mon tout vide, hein. Avec sa technique, un seul rendez-vous suffit pour décoincer un gros blocage. Oui, enfin moi, en ce qui me concerne, si ça pouvait simplement diminuer mes convulsions, ce serait parfait. Bah oui, franchement, je suis désolé, hein. Sincèrement. Martha, je m'appelle Martha. Enchantée, moi c'est Vincent. Je suis contente de vous connaître, Vincent. Moi de même. Et la nuit? Pourquoi la nuit? Eh ben la nuit, ça vous le fait aussi? Bah non, la nuit je dors. Ah. Non mais, dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Non, la nuit, je suis la plus polie des femmes. Ah d'accord, bah c'est déjà ça. Mais sinon, mais, ça vous le fait combien de fois à peu près par jour? Je ne sais pas, moi je n'ai jamais compté. Non mais en moyenne. Ah, bah, je vous dis que je n'ai jamais compté. Ah bah attendez, je vais vous faire un calcul moi. Je vous ai dit que vous avez 53 ans. Mm-hmm. Ça vous est arrivé à 11 ans, donc ça fait 42 ans que vous souffrez de cette maladie, mais vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien de fois ça vous le faisait par jour. Non, j'avoue que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Hein. Bah, moi, je vous fais un calcul. Et en plus, il est simple. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises, ce qui nous fait 72 fois par heure. Bon, que je multiplie par 16, hein, puisque je crois que vous dormez 8 heures par nuit, ce qui nous fait 1152 insultes et gestes déplacés par jour. Ah, quand même. Ah, attendez, c'est pas tout. 1152 que je multiplie par 365, ça vous fait 420 480 insultes par an. Mais vu comme ça, ça devient très intéressant. Et je termine. 420 480 multiplié par 42, ça vous fait depuis le début de votre maladie 17 660 160 insultes. À la louche. Non, exactement. Non, de Dieu. Ah, il y en a des softs aussi. Ah bah oui, heureusement. Et sinon, sans indiscrétion, là, vous faites quoi comme métier? Parce que je vous imagine mal comme prof de maths, VRP ou quelque chose comme ça. Non, 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 vous avez raison, non. Non, non, jeune, je rêvais d'être enculé. Pardon. Je rêvais d'être avocate.
Avocate, oui, oui, oui. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé faire des belles phrases et puis jouer de la manche, voyez, comme ceci, pour défendre des innocents injustement condamnés. Mais vous imaginez, avec ma maladie, la tête des jurés, avec une avocate qui crise en pleine plaidoirie. Oh ben, je vois le tableau, hein, monsieur le président, messieurs les jurés, fils de pute. Non. Alors, du coup, je me suis plutôt rabattue sur une activité que je pouvais faire seule chez moi. Et alors, j'ai créé ma petite maison d'édition, que j'ai très bien vendue d'ailleurs il y a à peu près 2 ans. Et aujourd'hui, je suis à la retraite. Et vous? Ah bah moi je vous l'ai dit, hein, je suis taxi. Non, je veux dire, et vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, alors, figurez-vous que d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Tiens donc, je ne m'en étais pas aperçu. Bon, bah, moi mon top, comme ils disent, moi je le vis très bien, mais c'est ma femme qui supporte plus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous, mais je la saoule trop. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je compte tout et n'importe quoi, du matin jusqu'au soir. Alors pour elle, c'est un enfer, mais pour moi, c'est comme qui dirait, bah, un loisir. Oui, et d'autant plus que votre handicap, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant, parce que vous comptez à la vitesse de mon cul. Je veux dire à la vitesse de la lumière, pardon. Vous voulez me faire plaisir, Martin? J'en serais ravie. Bon, j'ai très bien capté que vous ne le faisiez pas exprès, et même si tout à l'heure j'ai failli vous mettre un bourre-pif, maintenant je comprends parfaitement la situation. Merci Vincent. Bon, attendez, c'est pas tout. Quoi? Eh bien, toujours d'après ma femme, j'aurais aussi la maladie du stockage. C'est-à-dire? Eh bien, sous prétexte que je garde des trucs qui lui semblent inutiles, elle m'a demandé d'en toucher un mot au to-be pour pouvoir tout bazarder. Collectionner quoi exactement? Oh, bah plein de trucs. Des capsules de bière belge, des bouchons, des boîtes de conserve un peu rares, enfin plein de trucs quoi. Vous tout compte fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Ah bah non, Martha, vous n'avez pas oublié de foncer, ma femme, d'accord, mais pas vous. Oh, pardon. Ah bah, qu'est-ce qu'on avait dit? Non, je m'excusais pour ma remarque. Et vous êtes mariée aussi? Ah non. J'ai failli, et puis finalement, mais ça ne s'est pas fait. Karma. Ah, karma. Il a certainement eu peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Remarquez, au fond, je le comprends. Moi-même, à sa place, j'aurais certainement fait la même chose. Mais vous savez, c'était pas facile pour lui. C'était pas facile pour sa famille, les enfants à venir, les amis. Enfin bref, c'était vraiment pas facile. Et vous? Vous avez des enfants? Bah oui, 2. Et 2, hein, c'est tout grand comme chiffre. C'est pas le calcul de la journée. Hein. En même temps, vous pouviez pas en faire des millions. Ah, potentiellement si. Tiens, vous savez combien un homme lâche de spermatozoïdes lors d'une éjaculation? Dans mon cul. Là ou ailleurs. Allez, je vous laisse. Je vous laisse. Avec une marge d'erreur à 10 millions près. Mais je ne sais pas, mais j'imagine que c'est beaucoup. Mais c'est plus que beaucoup. C'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et en sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 et 300 millions de spermatozoïdes. Eh, vous vous rendez compte, le génocide à chaque branlette. Bonjour. Bonjour. Bon, je pense qu'il serait peut-être plus judicieux de changer de sujet de conversation. Eh, hey, c'est comme vous voulez, moi je suis taxi, alors je peux vous tailler une bavette sur n'importe quel sujet. Le foot, la pêche, la politique. Il y a un problème? Non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, ça vous trouve la salle d'eau? Non, pas du tout. Je crois que c'est la porte à droite dans le couloir. Merci. Chérie de merde! Je ne m'excuse même pas. Bien, Martha. Et vous avez vu le maniaque? Eh ben, ma femme, c'est pareil. Tant qu'elle n'a pas tout briqué à fond, elle ne peut pas se détendre. Eh, c'est tout juste qu'elle ne fait pas la planche quand on va au resto, elle fait même le ménage quand on va à l'hôtel. Mais vous savez que c'est un toc, ça aussi, ah que bon? De tout nettoyer. Mais absolument. Ça s'appelle... Mais attendez, parce que vous savez, depuis le temps que je passe dans les cabinets, j'ai appris des tonnes de choses sur les tocs. Et en plus, j'ai imprimé tout ceci dernièrement sur Internet. Et alors, ça s'appelle... Bougez pas, je vais vous trouver. Ah voilà. Des rituels de lavage.
d'accord. Ah, mais bougez pas, je suis sûre que ça porte un nom bien plus compliqué. Je vais vous le trouver. Plus tard, la voilà. Mais le docteur est pas là? Ah, je ne sais pas, madame, j'attends. Oui, moi aussi, depuis environ 750 secondes. Hein, je dis ça à la louche, je n'ai pas regardé. Encore? Oh, la salope! Hey, désolé, celui-là, il est pour moi. Hey, dis donc, c'est contagieux, votre truc, là. Vous voyez que c'est gênant. Ah, oh, ben, j'espère qu'elle ne m'a pas entendu. Surtout que moi, je n'ai pas l'excuse de la maladie. Hein. Bon, enfin, bon, hé. Hey. Je pourrais toujours dire que j'ai chopé le syndrome de Robert de la Girouette. Gilles de la Tourette. Oh, j'étais pas loin. Hein. Mais pourquoi vous insultez cette pauvre femme? Non, mais je l'insultais pas. Mais je pensais à ma femme. Elle m'a tanné très exactement 82 fois avant que je craque et que j'accepte de prendre ce rendez-vous à la con. Eh, si ça se trouve, c'est elle qui est malade. C'est elle qui devrait être à ma place, là, aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé. Ah. Nosophobie. Nosophobie. Nosophobie, crainte exagérée d'attraper une maladie. Ah, d'accord. Mm-hmm. Et pour moi, c'est quoi le nom savant de mon truc? Ah, pour vous? Ne bougez pas, je vais vous le trouver. Pour vous? Arythmomanie. Ah, c'est quoi ça? Arythmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Merde, mais je suis vraiment malade alors. Scène, mais elle le fait pas exprès. Ah oui, c'est syndrome Gilles de la Tourette. Mmh, exactement. Ah bon, vous connaissez? Bah un peu, j'ai vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient. Pas vous? Non, jamais. Brosse-moi le minou. Non mais Martha, arrêtez de vous excuser, puis arrêtez de votre numéro de bigote, là. Parce que là, vous culpabilisez mon ami, qui est tout simplement malade. Mais le docteur n'est pas là. Bah je sais pas, mais je suis là depuis juste 2 minutes. Non, 4:15. Mais le docteur n'est pas là. Ah ben, je sais pas, ma bonne dame. Moi, j'ai mis 13 mois et demi pour obtenir un rendez-vous, alors je suis pas 5 minutes près. Surtout que moi, j'ai tout mon temps. Le temps de chez la merde. Je suis Marie, j'en fous. Mais arrêtez, là. Hé, hey, faut que je vous le dise en quoi? En javanais? Mais moi non plus. Quoi? Je ne le fais pas exprès. Oh putain, mais on est où, là? Vous pouvez me passer le pèlerin? Quoi? Le pèlerin, là. Vous savez où c'est? Oui. Hey. Eh ben, elle doit en bouffer de la savonnette, hein. Moi, je dirais, allez, entre 175 et 210 par an. Hey, vous croyez qu'elle garde les boîtes? Je sais pas, mais c'est possible. Bonjour. Mais vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur? Oui, oui. Mais il a pris combien de rendez-vous aujourd'hui? Ah ben, je sais pas, faut peut-être éteindre la lumière, c'est ça qui doit les attirer. D'où j'ai vu la lumière? Oh, je crois que j'ai oublié d'éteindre chez moi. Oh zut, quel idiote je fais! Oh, et le gaz? Quoi, le gaz aussi? Peut-être, sûrement, je ne sais plus. Il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, moi je peux bien vous laisser ma place si ça peut vous éviter une explosion. Mais je vous préviens, je suis que le deuxième. Madame était là avant moi, et la petite dame qui est toujours aux toilettes. Non mais moi je ne suis pas pressée, hein, donc si ça vous arrange, je peux tout à fait vous céder ma place aussi. Ah oh, merci, vous êtes bien aimable. Ah, et vous voyez, je vous avais dit qu'elle était bien gentille. Hein. Nique ta mère! Oui!
déçu, Marie. Oui, elle est bien gentille quand même. Bon. Faut pas vous vexer. Martha dit des gros mots, mais elle ne le fait pas exprès. D'accord, d'accord. Culé ! Oh ! Marie-José. Et dès que Martha dit des gros mots, ben, la petite dame là, elle fait des signes de croix. Hey, vous avez vu, hein, quand on a les clés pour décoder, tout est simple. D'où Jésus les clés ? Mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir ? Et il va arriver combien de gens encore ? Ah bah ben, de toute façon, il reste plus qu'une chaise, hein. Et après, il faudra que les prendre sur les genoux. Ah non, mais ça c'est hors de question ! Je suis pas venu ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça, hein ! Allez, allez, on se calme, on verra bien ce qu'il nous dira, le grand docteur. Oh, merci, mon Dieu, je les ai. Oh. Jésus-Marie, si jamais quelqu'un sonne chez moi avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe. Pardonnez-moi, madame, mais avant de partir, vous avez vérifié si votre gaz était fermé ou pas? Oh, oui. Plusieurs fois. Mais... Combien de fois exactement? Ah, je ne sais plus, mais beaucoup. Mais plus de 10 fois. Oh oui, beaucoup plus. Non mais combien à la mouche? Oh, bah je dirais entre 20 et 30 fois, minimum. Oh. Oh, mais alors tout va bien, vous croyez? Bah oui, si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon. À partir d'une fois, c'est bon, alors 30 fois, c'est pas très bon. C'est bon, monsieur. Oh, allez, on se calme. Bonjour. Tiens, la 6e chaise. Ah, avant que ça crée une embrouille, hein. Martha dit des gros mots comme ça, mais elle ne le fait pas exprès. Hein. Mais vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Stern? Bah oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sur tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été question de thérapie de groupe, que je sache. Ah non, je crois pas. Vous a dit que c'était une thérapie de groupe à vous? Non, non. Je suis dans quel tour? Ah bah, il a bien claqué, ça. Oh, mais je sais pourquoi. C'est l'idée de la thérapie de groupe qui me stresse. Vous savez, en plus, des 30 ans de consultation, j'ai toujours été seule avec le médecin. Je ne veux pas que ça change. Ah non, mais je vous comprends, moi, c'est pareil, hein. C'est déjà pas facile de parler devant quelqu'un qu'on connaît pas, mais devant d'autres gens en plus, merci bien. Ouais, allez, on se calme, on s'énerve pour rien, on verra bien ce qu'il nous dira, le grand docteur. Eh ben, elle veut toujours pas rentrer, la jeune fille. Si, je veux bien. Bah, le chef vous tend les bras. Non, mais c'est les lignes. Bah, quoi, les lignes? Les dessins, là, sur le sol. Je marche jamais sur les lignes, jamais. Et là, il y en a partout. Bah, sautez par-dessus, il y en a jamais que 172. Bah, j'ai peur que les gens se moquent. Ah bon? Et vous êtes moqué tout à l'heure quand Martha a crié une cochonnerie? Bah, non. Et vous allez vous moquer si moi je fais quelque chose qui vous semble un peu anormal? Non, bien sûr que non. Pareil pour les petites dames? Ben oui. Ah non, moi je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Ah, mais personnellement, moi, tout va bien. Mais bien sûr. Bon, allez, je vous laisse ma chaise, ça vous fera moins de trajet. Ah bravo, très fort! Ah jeunesse! Trésor de la vie! Hé, et poète avec ça, hein? Ah, j'ai pété! Bon allez, c'est ma tournée! Qui va, Murdo? Oh, mon nom! D'où Jésus! À tous les coups, j'ai oublié de fermer le robinet de la cuisine! Hé! D'ailleurs, avec un peu de chance, tout aura explosé avant! Mais vous n'avez pas vérifié vos robinets avant de partir? Ah, si, plusieurs fois. Mais j'ai quand même peur d'en avoir laissé un ouvert. Bonjour. Bonjour. Oh la pute! Excusez-moi, j'étais au téléphone et ça a duré plus longtemps que prévu. Excusez-moi, madame, vous êtes le docteur Stern? Non, je suis son assistante. Ah. Mademoiselle, je suis arrivée après ce monsieur et ces dames. Mais ils ont la gentillesse de me laisser passer en premier, car il est fort possible que je sois partie de chez moi en oubliant de fermer le gaz, et peut-être aussi mon nom.
très bien. Mais je vous ai laissé passer, moi aussi. Excusez-moi, madame, mais le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe. Parce que si c'est ça, moi... Je suis désolée, je n'ai pas d'informations sur la consultation. Tout ce que je sais, c'est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Et là, comme je n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou déjà dans le taxi. Excusez-moi, il faut que je surveille le téléphone. Je vous tiens au courant. Mon Dieu, si j'ai tout laissé ouvert. Le gaz, l'eau, l'électricité. Bonjour les factures. Tiens, vous voulez que je vous calcule combien ça va vous coûter? Non, mais à la louche. Non. Bon, ok, je suspecte pas. Vous changez de place? Ouais, je m'en fous. Pour Francfort, c'est quel aéroport? Francfort, terminal 2D. À votre avis, peut-être dans combien de temps? Bon, 1 heure si c'est un manche, 3/4 d'heure si roule normal, et une demi-heure si s'appelle Vincent. Et une demi-heure, ça va. Excusez-moi, ça vous embête si j'aère un peu? Parce que c'est pas très sain de respirer assise dans la même pièce. Surtout en plein hiver, avec tout ce qui traîne, les griffes, les bronchites, les laryngites, j'en passe, c'est des meilleurs. Ça va! Oh! Allez, allez, longtemps. Mais je vous rappelle qu'il ne fait pas chaud, chaud. Non, mais juste 2 minutes, hein, après je referme. Bah, qu'est-ce qu'elle fait la jeune fille? Bah, je range un peu, ça vous choque pas, vous, tout ce bordel? Bah, quel bordel? Bah, vous voyez pas que c'est pas symétrique? Oh putain, mais on est où, là? Martha, je dis pas ça pour vous embêter, mais qu'est-ce que vous avez contre la thérapie de groupe? Parce que si on doit tous y passer un par un, ça arrive de durer des heures. Hein. Hey, moi, je m'en fous, j'ai tout mon temps, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici. Ah non, moi, j'ai pas la journée. Hein. Ah non, moi, j'ai pas la journée. Non, mais moi non plus. Hein. Ah, moi non plus. Surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. Mais moi, on m'a dit que c'était une thérapie de groupe. Ah bon? Mais qui vous a dit ça? Bah, le médecin qui m'a orienté vers le docteur Stern. Oh, le con! Bah... Cool, Martha, de quoi vous avez peur? Mais je préfère être seule avec le thérapeute, voilà, c'est tout. Vous savez, toute ma vie, les gens se sont moqués de moi. Et voilà, je n'en peux plus, voilà, je n'en peux plus. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour moquer des gens, hein. Ah, moi non plus, certainement pas. Eh ben voilà. Relax, cool. Moi, j'ai déjà fait une thérapie de groupe il y a 2 ans. Personne ne se moquait de personne, hein. Eh ben voilà. Tiens, vous savez ce qu'on devrait faire? Non. Un tour de table pour se présenter. Mais grand Dieu, pourquoi? Bah, comme à mon avis, c'est ce qu'on va faire devant le docteur. Si on le fait maintenant, ça nous fera gagner du temps. Puis si on se connaît mieux, on sera moins tendu devant lui. Bah, c'est pas con ça, si on faisait. Qu'est-ce que vous en pensez, Martha? Écoutez, si c'est juste pour se présenter, oui, pourquoi pas? Non, alors en plus, il faut dire bah, la raison de sa présence ici et sa couleur du jour. Sa couleur du jour? Ça veut dire quoi? Bah, c'est lié à l'humeur. Si par exemple vous êtes dépressif, ce sera le noir. Et si vous êtes optimiste, bah le rose. Avec le rose, faut faire attention. Hein. Ça peut prêter à confusion. Hein. Bon, bah, qui commence? Bon, bah, moi, je veux bien. Bon, bah, je m'appelle Anna. A-N-A! J'ai 29 ans. Excusez-moi, on ne pourrait pas fermer là. Parce que je vous rappelle qu'il ne fait pas chaud chaud. Bon, à partir de maintenant, interdiction de s'interrompre. Enculé ! Mais c'est magique. Sauf Martha, bien entendu, qui ne le fait pas exprès. Bon, bah du coup, je m'appelle Anna, j'ai 29 ans, et je suis conceptrice de jeux vidéo, puis je souffre de TOC depuis l'adolescence. Mes principaux, bah, c'est mon incapacité à marcher sur les lignes, et ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Vert. Pourquoi? Mais en fait, parce que c'est la couleur qui est pile au milieu de l'arc-en-ciel. D'un côté, il y a le rouge, l'orange, le jaune, et puis de l'autre, il y a le bleu, le violet, l'indigo. 3 et 3. Et le vert. Mais le milieu! C'est quoi votre banque? C.I.C. Alors là, j'aurais mis un billet là-dessus, hein. Ok, tout. Allez, on reprend, bah, si on reprend de l'ordre d'arrivée. Ah, ça veut dire que c'est à moi. Ah bah, à part si vous voulez que je passe avant vous. Hein. Bon, vous savez, avant ou après, alors quelle importance. Alors voilà, je me prénomme Martha, j'ai 53 ans et je souffre depuis l'enfance du syndrome Gilles de la Tourette. Et comme c'est l'un des seuls TOC dont on ne guérit pratiquement jamais, eh bien, j'ai juste l'espoir que... Que les médicaments...
médicaments progressent afin de diminuer mes convulsions. Voilà, vous savez tout. C'est quoi votre couleur? Ma couleur? Carmin. Son prénom, ça a pas une couleur. Ah non, c'est les deux. Ah oui. Eh oui. Mmh. À vous. Eh bien, moi, c'est Vincent. Ah bah merci, c'est agréable. Bien, Vincent. ans, taxi, et ma couleur, bah, c'est le bleu, les taxis bleus. Et mon problème, enfin surtout celui de ma femme, c'est que je compte tout et n'importe quoi. Alors au stade où j'en suis, eh bien, il y a deux écoles, soit je me calme, soit après 25 ans de mariage, ma femme demande le divorce. Voilà. Ça fait combien de jours, 25 ans? 9125. 32 850 000. Sans réfléchir en plus. Oh, et encore, mon plaisir, c'est de faire des calculs bien plus compliqués que ça. J'expliquais que j'étais un collectionneur de staphylocoques. C'est pas vrai! Mais non! En fait, il a la manie de tout compter. C'est juste un génie. Ah, génie, je pense. Ce que j'aime pas, c'est comme tête d'autiste. Ah, mais pourtant, c'est pas un gros mot, autiste. Ah, peut-être, mais j'aime pas. Bon, bah, c'est à vous. Bon, bah, moi, je m'appelle Blanche. Comme la chef de Monsieur Seguin. Oh, enfin, on a bien vu ça. On va dire la vingtaine. Je suis laborantine. Et j'ai très peur des microbes et de la maladie. D'aucuns disent que je chomatise, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, bah moi je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. Puis comme j'ai tendance à un peu trop m'angoisser avec ça, bah mon entourage a insisté pour que je consulte. Et de docteur en docteur, bah j'ai été orientée vers ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Une sommité, paraît-il. Et ça vous a pris à quel âge cette histoire? Oh bah j'ai toujours eu ça, mais ça s'est accentué il y a une petite dizaine d'années. Année à mal, année, c'est trop vécu. Oh, excuse-moi. Bien, bel enchaînement. Eh, c'est à vous là, quand vous aurez fini de tricoter, bien sûr. Vincent. Allez-y. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Eh bien, je m'appelle Marie. Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur est également le bleu, mais pas le bleu taxi, le bleu céleste. Amen. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une sale manie qui, d'après mon docteur, a dégénéré en ce que vous appelez un toc. Et quelle manie? Eh bien, je vérifie sans cesse les choses. Quelles choses? D'abord mon sac, et quand je sors de chez moi, je vérifie toujours si j'ai fermé les serrures à clé plusieurs fois. Et je fais la même chose pour l'eau, le gaz et l'électricité. Vous connaissez ça, Martha? Oui, ça s'appelle des tocs de vérification. Oh, c'est un grand classique, hein. Mais rassurez-vous, ça se soigne très bien. Eh ben voilà, ben, c'était pas la mer à boire non plus. Hein. À vous. Attendez. J'ai aussi des pensées. Des pensées de quoi? Ah, des pensées qui reviennent. Toujours les mêmes. Mais des pensées de quoi? Ah non, ça, merci. Excusez-moi, mais je préférerais en parler directement au docteur. Eh ben oui, non, non, mais bien sûr, mais vous avez déjà certainement pris énormément sur vous pour nous raconter tout ça. C'est sur vous, mais quand vous priez comme ça hyper vite et que vous faites des signes de croix, mais c'est un toc aussi? Je ne sais pas. Peut-être. Vous croyez que je suis folle? Bah non, bah à ce compte-là, on est tous frappes à dingue. Hein. C'est pas vrai, Martha? Mais oui, absolument. Ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'on est complètement fou. Rassurez-vous. Moi, vous? Ah non, pas moi, non, pas moi. Mais pourquoi tout le monde l'a fait? Même Martha et Marie? Ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le docteur, faudra bien que vous parliez. Blanche a raison, hein. Considérez ça comme un petit training, parce que tout à l'heure, le groupe sera le même. Allez, courage. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Mais ça vous le fait quand? Pas tout le temps. Mais vous répétez toujours tout deux fois? Oui, et des fois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Mais que depuis quand c'est devenu systématique? Oh, depuis la mort de mon père. Oh.
Oh, depuis la mort de mon père. Oh putain, mais on est où là? Martha, vous avez ça dans vos fiches? Oui. Bougez pas, je vais vous le trouver. Oui, je vais vous le trouver, je vais vous le trouver. Eh, ça doit pas être facile à vivre, ça non plus. Hein. Ah non, 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 c'est très dur. Ah non, 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 c'est très dur. Mais qu'est-ce qui se passe si vous répétez pas votre phrase? J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Carrément. Remarquez, l'avantage de se dire deux fois, c'est que c'est bien symétrique. Moi, j'aime beaucoup. Ah bah merci, ça fait plaisir. Ah bah merci, ça fait plaisir. C'est quoi votre couleur? Gris-gris. Ah bon? Pourquoi? Bah je sais pas, j'espère que ça importe chance. Bah je sais pas, j'espère que ça importe chance. Ah, gris-gris. Oui, oui. Ah voilà, j'ai trouvé. Palilali et Ecolali. Oh putain, ils ont vraiment des noms pour tout. Hein. Et c'était quoi déjà le nom de mon truc? Bah, enfin, je vous l'ai déjà dit. Arithmomanie. Remarquez, c'est pas mal de mettre un nom sur son problème. C'est déjà un début, non? Ah, voilà la plus belle. Ah oh, bah merci, c'est agréable. Y a des nouveaux? Désolé, j'ai toujours pas pu joindre le docteur. Concrètement, ça veut dire qu'il ne viendra pas aujourd'hui? Si, madame. J'ai quand même réussi à joindre l'aéroport de Francfort. Il semblerait que son avion ait décollé, c'est déjà ça. Il semblerait? Mais ce n'est même pas sûr en plus. Si, c'est sûr. Mais si c'est sûr, pourquoi vous ont plus les conditionnels? Non, pardonnez-moi, d'après eux, son avion a décollé, c'est bon. Mais il y a combien de temps? Ça, ils ne me l'ont pas dit, mais au pire, le vol dure 50 minutes. 3000 secondes! Enculé! Ah bah ça, faudra pas oublier de lui dire en face, là, parce que je rien. Excusez, je retourne faire des téléphones. Un an d'attente pour en arriver là, je trouve ça inadmissible. Ça vous dirait de faire un jeu pour attendre? Oh oui, pourquoi pas? Oh oui, pourquoi pas? Mais ça dépend, c'est quoi comme jeu? Des jeux de société? Ah! Y a pas de solitaire! Oh là 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 là! Le verre solitaire, quelle horreur! Vous savez que ça peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long! 12 mètres dans les intestins, vous vous rendez compte? Et il paraît qu'en vieillissant, ça peut se retourner contre son maître! C'est pas vrai! Il y a un jeu de cartes si vous voulez faire une réussite. Ah. Bah non, on joue tous ensemble. Ah, hein. Oh, moi je ne suis pas venue pour jouer à quoi que ce soit. Mais bon, il y a quoi exactement? Un jeu d'échecs, ça vous dit? Ah bah non, si on joue, on joue à 6. Alors à 6... Oh, il y a les petits chevaux! Oh, il y a les petits chevaux! Non, les petits chevaux, c'est 4 maximum. Sinon, un Scrabble. Oh. Ok, c'est l'hystérie collective. Triviale poursuite. Ah, si c'est trivial, j'ai peut-être une chance de gagner. Oh, vous êtes même hors concours. Bon, allez, les 2 minutes sont écoulées. Sinon, un pictionary, ça vous dit? Je ne sais même pas ce que c'est. Oh, il faut faire des dessins. Oh, il faut faire des dessins. Non, mais elles sont pas un peu crasseuses, là, toutes ces vieilles boîtes? Non, elles sont juste très mal rangées. Pour finir, j'ai un Monopoly. C'est un classique, mais bon. Attention à pas bouger mon pion avec le vôtre. Vous lui faites toucher la ligne. Pardon, pardon. Mais enfin, Anna, regardez mon pion. Eh bien, il touche un peu la ligne. Et ça ne me pose aucun problème. Franchement, je sais pas comment vous faites, hein. Mais je vous encule tous. Bon, maintenant, on joue. Bon, Lily, Faubourg Saint-Honoré, on achète ou on fait juste du lèche-vitrine? J'achète. Ah, quand même, c'est 300 euros. Et heureusement que je tiens la caisse, sinon ça serait tout gratos avec vous, hein. 100, 200, 250 et 300.
Oui, merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. Hey, il faut la carte de Lyon. Non mais vous pouvez pas arrêter de tripatouiller les dés comme ça là à chaque fois, c'est pas très hygiénique pour les autres. Oh ça va, j'ai les mains propres moi, hein. C'est pas comme d'autres. Ah, non, attendez, je déconne. Allez. 4. Compagnie distribution d'électricité. J'en ai rien à foutre de cette merde. Bon, allez, j'achète. Mon électricité. Allez, c'est à vous, Martha. Merci. Oups. 11. Chance. Merci. Alors. Rendez-vous avenue Henri Martin. Si vous passez par la case départ, recevez 200 euros. Et oui, je passe par la case départ. Et oui, je reçois 200 euros. Merci. Et oui, j'achète l'avenue Henri Martin. Bien joué, Martha. Et j'ai mon cul. Oh, et si Marie, je veux dire, je suis chez moi. 10. Rue Lecourbe. 60 euros. Vous achetez? Ah bah non, pas quand c'est votre tour. Vous irez vous laver les mains quand ça sera au tour d'Anna. Je reviens tout de suite. Oh, mais c'est chiant à la fin. Enfin Vincent, vous la stressez encore plus. Ah mais ça casse le rythme. Ah oh, ça va, c'est pas grave. Ah non mais... Ah ça va, c'est pas grave. Moi je suis désolée, mais le Monopoly avec les euros, je trouve que ce n'est pas le vrai Monopoly. Ouais, ben il faut évoluer avec son temps, hein, ma petite dame. Oh ben pour vous c'est facile, vous te comptez tout à la vitesse de l'éclair. Mais il faut bien reconnaître... que pour ceux qui étaient habitués aux francs, eh ben, c'est quand même pas très pratique. 1 euro égale 6 francs 50, c'est ça? Non, 6,55957. Quand même, ils auraient pu faire plus simple. Bon, vous savez, on n'est pas les plus mal lotis, hein. Prenez les Grecs, pour eux, c'est l'enfer. 1 euro égale 340 drachmes, 750. Et les Irlandais, 1 euro égale 0,787 livres. Et les Espagnols, 1 euro égale 116 pesetas, 386. Alors, et les Portugais... Stop! Vous m'avez saoulé avec tous vos chiffres! Eh ben merci pour les Portugais. J'en parle à votre concierge. Ah, nous allons savoir si la très convoitée rue Lecourbe va tomber dans votre escarcelle. J'achète. Ah, merci. Allez, c'est à toi, Anna. Bon, hé, tu permets que je te tutoie, j'ai un fils de ton âge. Hein. Pas de problème. 8. Yes, avenue Foch, je la voulais. Ouais, 300 euros, vérifie, à mon avis, il ne reste plus que 210. Hein. Peut-être, mais je la veux. Et pourquoi? Mais parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère, avec ses deux contre-allées bien symétriques. Eh ben oui, ouais, je connais. Elle part de l'étoile, elle va jusqu'à la place Dauphine, mais hé, t'as pas les moyens, c'est comme ça. Allez, maintenant, on donne du rythme. Allez, c'est à vous, Martin. Mais pas question! Je veux l'avenue Foch et je l'aurai, point barre! Non mais oh, c'est quoi ce caractère là, mais hé, c'est qu'un jour après tout! Mais je veux l'avenue Foch, vous m'entendez? Je la veux! Hé, hey, mais t'énerve pas là, t'es cyclothermique ou quoi? Timique. Timique. Pic. Mais moi, si ça peut vous arranger, je peux tout à fait vous les prêter, ces 90 euros qui vous manquent. Ah non. Les arrangements, c'est quand tout le plateau est vendu, pas avant. Ah non. Moi, je me souviens quand on jouait avec les francs, on pouvait se prêter de l'argent quand on voulait. Vous fâchez? Oh! Et si, ne le faites pas, hein. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Maurice Béjart, là? Je vais chercher la règle du jeu. Non, te fatigue pas, fille. Allez, on va voter. Allez, ceux qui sont d'accord, lève la main. Et attendez, non, lève la main pour savoir si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter l'argent ou que tout le plateau ne soit vendu. Non. Et attendez, non, lève la main pour savoir si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter l'argent ou que tout le plateau ne soit vendu. Oh putain, ça c'est le deuxième effet qui se coule. Vous n'aviez jamais fait de phrase aussi longue auparavant. Non, d'habitude j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Non, d'habitude j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Oui, et ben maintenant on fait des phrases courtes, faut pas casser le rythme. Ah, ça va, si on peut plus parler, hein. Non, mais. Ah, ça va, si on peut plus parler, hein. Je vous rappelle que c'est vous qui parlez le plus de tout le groupe. Ah, pas comme ça, vous aussi vous comptez, y'a pas que moi. Bon, allez, ceux qui sont d'accord pour qu'on se prête de l'argent, levez la main. Bah non, le fond, j'ai toujours été d'accord. Hein. Tenez, ma belle Anna. Attendez, je vous dois 10. Non, mais ça va, on verra ça plus tard. Bah, regarde-moi ça, on se rend même plus la monnaie maintenant. Hey. Allez, tiens, tu l'avais ta carte, t'es contente? Très contente. Ah, bah bonjour les miasmes, hein. À vous, Marie.
tête. Compagnie de distribution des eaux. Oh, vous êtes tout le monde. Il faut absolument que je rentre chez moi. Tout doit être inondé. Ben non, mais si vous achetez la compagnie, vous pouvez toujours trafiquer la facture. Au mieux, vous aurez même l'eau gratos. Et puis à la fin, je peux vous échanger ma compagnie d'électricité. Ah bon? Et contre quoi? Moi, je sais pas, là, vos trucs de la paix. L'escroc. Allez, à moi. Allez, hey, surtout pas de 3, hein, puisque la gare de Lyon, elle est pour moi. 8, 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Allez, à moi. Allez, ma petite gare de Lyon chérie. Merde, 7. Avenue Mozart, 1756-1791. Mort à 35 ans. Mais il n'aura pas fait de yeux, celui-là. Bon, allez, j'achète quand même. 4. Chance! Chance! Aller en prison? Avancer tout droit en prison? Ne passez pas par la case des pauvres, vous ne serez pas 200 euros? Oh non! La prison, c'est dégoûtant! Je peux pas tirer notre carte? Ah ben non, vous avez joué, hein! Ah ben non, vous avez joué, hein! Eh, attention, c'est mal, là! Oh, mais je vais juste ouvrir 2 minutes! Oh merde, ça caille! Oh, on retourne! Oh putain, on va tout choper la crème, là! 5! Place Pigalle. Vous achetez ou pas? Certainement pas. Ben, vous avez déjà le faubourg Saint-Martin. Et puis après, si vous avez peur, moi je vous échangerai quand même ma rue Mozart. Et de toute façon, moi les oranges, je m'en fous. Moi, c'est les gares que je veux. Pardonnez-moi, Marie, mais je crois que Vincent a raison. Vous avez beau avoir la rue de la Paix, vous n'êtes pas en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Elle a raison. Elle était bloquée. Écoutez, tout à l'heure, Anna voulait l'avenue Foch et elle l'a eu grand bien lui face. Mais moi, je ne veux pas acheter la place Pigalle. Un point, c'est tout. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas acquérir ce symbole de la luxure et de la fornication. Je hais cet endroit, il m'exècre, il me dégoûte. Ça vous suffit comme explication? Non mais, on vous y demande pas non plus d'ouvrir des étals de passe, non? Encore heureux! Et quelle idée d'avoir placé Saint-Michel à côté de Pigalle! Eh, hey, Saint-Michel, il a terrassé le dragon, alors c'est quand même pas 3 putes qui vont lui faire peur! Blasphémé, ça va tout arranger! Oh Seigneur, si vous aviez pitié de votre créature, envoyez-lui un signe. Oh merci mon Dieu. Sodome et Gomorre. Marie, quand vous jouez à un jeu, vous préférez perdre ou gagner? Eh bien, gagner, bien sûr. Bien, alors achetez la place Pigalle. Mais Pigalle, quand même. Eh ben quoi, c'était pas un proxénète, hein? Ah non, c'était un type très bien, un excellent sculpteur et de très bonne famille, Jean-Baptiste Pigalle. 1714-1785. Et c'est combien? Ah ben bravo, vous posez déjà les bonnes questions pour le cartel. Mais c'est bien pour vous faire plaisir, parce que Dieu m'est témoin que... Mais oui, Dieu m'est témoin. Oh oui. Il reste quoi? Eh, la gare de Lyon, mais rassure-toi, elle est pour moi. Hein. C'est ça. 3. Chance. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 euros. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 euros. Elle a failli me niquer. 8. Ah, mais combien je vous dois? Mais combien vous me devez de quoi? Mais je suis chez vous à Pigalle. Oh non, ça va pas. Pigalle, 16 euros. Hein. On va donner. Gardez votre argent, je vous dis, je n'en veux pas. Eh ben dis donc, si tout le monde était comme vous dans le quartier, ça serait le rêve. Hein.
meilleure de l'année. Moi qui ne bois jamais une goutte d'alcool. Ouais, ah. Bon, on dit ça, puis après on se torche la gueule en douce avec du vin de messe. Oh, allez, à moi, allez, à moi. Hey. Six, six. Caisse de communauté, caisse de communauté. Payer une amende de 10 euros ou tirer une carte chance. Payer une amende de 10 euros ou tirer une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, franchement, je ne sais pas. Oh, 10 euros, c'est pas la ruine. C'est allez, prêt, c'est à moi. Prêt. Non, attends, Lily. C'est qu'un jeu, faut savoir prendre des risques dans la vie. Tu crois, tu crois? Allez, c'est à moi. Non, mais une seconde. Lily, tire une carte chance, qu'est-ce que t'as à perdre? Allez à la gare de Lyon! Putain! Si vous passez pas à cette démarche, ça va être 200 euros! C'est pas vrai! Allez à la gare de Lyon! Oh putain! Si vous passez pas à cette démarche, ça va être 200 euros! Oh putain! Putain! Enfin, ça va être fort! Et alors? Et alors? Bah quand même, hein! En fait, son avion. Non, c'est pas ça! Et alors? La voici, mais il est bloqué sur l'air d'arrivée à cause d'une avarie de passerelle. Une avarie de passerelle, une avarie de passerelle. Oh, ça fait chier! Oh, bah là, ça fait pas chier que vous, là, ça fait chier tout le monde! Fait chier, fait chier! Concrètement, ça veut dire que le docteur ne viendra pas aujourd'hui? Ouais, si, il viendra, mais dans une heure ou deux. Une heure ou deux? Oh, c'est lamentable de traiter les gens comme ça, des patients en plus! Une heure ou deux? Je suis désolée, mais c'est indépendant de sa volonté. Le docteur sera le premier navré de ce contretemps. Ah, vous appelez ça un contretemps? Moi, j'appelle ça non. On donne pas un rendez-vous aussi important à 6 personnes et en venant de l'étranger, en plus, c'est au dernier moment. Avec ce genre d'organisation, y a pas la place pour la moindre couille. Voilà, on est tout ça comme des cons. Chérie de merde. Tout vide de merde. Ah ben, bravo pour la symétrie, là, tu repasseras. Allez, de toute façon, t'as raison, la partie est terminée, j'ai gagné. La chanson. Son, 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 son. Bon, bah moi je vais y aller. Hein. Bon, bah moi aussi. Bon, bah moi je vais y aller. Hein. Ah bon, mais pourquoi? Bah parce que s'il arrive dans une heure ou deux, ça va faire tard. Bah parce que s'il arrive dans une heure ou deux, ça va faire tard. Bon, bah moi aussi alors. Bon, bah si tout le monde se bat, vous faites quoi, Martha, vous? Bah écoutez, moi je ne sais plus. Vous m'aviez presque convaincu de participer à une thérapie de groupe, mais alors si tout le monde s'en va. Eh bah finalement. Je reste. Ah. Ouais, parce que je suis bien curieux de savoir ce qu'il va nous dire, le grand docteur. Et si je le trouve pas assez convaincant, eh ben, il n'est pas à l'abri de se prendre un bon bourre-pif. Hein. Dans ce cas, je vais rester avec vous, ne serait-ce que pour vous éviter de faire une bêtise. Ça, c'est gentil, ça. Anna, simple curiosité avant que le groupe ne se dissolve. Mais vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, ça se passe comment au juste? Ah, bah c'est simple. En fait, au début, on se présente, on dit la raison de sa présence ici, et puis on travaille sur chacun, par plage. Par plage? Oui, en fait, pendant 3 minutes, tout le groupe se focalise sur une personne. Oh, pardon de l'expression, mais c'est un peu comme une tournante. Oh là 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 là, les tournantes, quelle horreur! Je vous dis pas tout ce qu'on peut attraper comme maladie là-dedans! Bah attendez, attendez, là, si j'ai bien compris, dans cette histoire, le toubib, c'est le groupe. Voilà, en fait, le médecin oriente, mais tout le monde participe. Eh bah, c'est pas con ça, si on faisait. Si on faisait. Mais pourquoi? Bah, de toute façon, maintenant on pense à comment que ça se passe, et puis en plus il nous a planté ce connard Toubi, alors. Mais parce que nous ne sommes pas des thérapeutes, et même si tout le monde participe, le docteur est là pour guider ses patients.
comme le berger est là pour guider ses brebis. Ah bah bonjour les métaphores bigotes. Vincent, enfin chacun réagit dans son style. Et ça, ouais, ça c'est vrai, un groupe qui se tire dans les pattes, ça ne fait pas trop, hein. Entièrement d'accord, si on n'est pas capable de s'accepter entre nous, c'est pas la peine de demander un peu de tolérance aux autres. Ah, vous avez 100 fois raison, Blanche, bravo. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait en fait? Bon, après tout, on n'a rien à perdre. Moi, je suis d'accord. Bien parlé, petite. Martha? Écoutez, moi, les groupes m'ont toujours terrifiée. Mais alors, si c'est avec vous, je suis d'accord pour essayer. Plus de vierge! Eh ben, vous la remerciez quand elle insulte la vierge, vous? Blanche! Entre deux nettoyages de printemps, est-ce qu'on peut espérer vous compter parmi nous? Je sais pas, pour être franche, j'y crois pas trop! Et moi, pas du tout! Blanche! Lily, vous le faites, vous? Ah bah si vous le faites, moi je le fais! Ah bah si vous le faites, moi je le fais! Mais oui, Blanche, d'autant plus qu'on se connaît maintenant, on est entre nous! Eh, pour une fois, vous pouvez pas vous en laver les mains! Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour le groupe! Ah, le chantage affectif! Allez, je veux bien essayer, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Ah. Marie, 3 minutes, le temps d'un œuf à la coque. Bon, allez, je cède. Génial! On n'attendait plus que vous, ma belle et douce Marie. Inutile d'employer le chantage affectif. Ah la pute! Non, Martha, on n'est pas là pour juger. Là. Ouf, bon, allez. Pendant 3 minutes, tout le groupe se focalise sur une personne pour l'aider à dénouer son problème. Ah, pour moi, c'est du charabia. Tiens. En clair, chacun va montrer son toc devant les autres. Voilà. Voilà, c'est le principe. Eh ben, on le fait. On le fait. Eh ben, allez, on le fait. On le fait. Chacun prend sa chaise. Comment on se met? En cercle? Non, 3 de chaque côté. Ah. Mais non, symétrique! Ah, merci. Bon, on reprend l'ordre d'arrivée? Bon, après toi. Stressé pour stresser, autant se jeter à l'eau. Oh mon dieu! Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous ne devez dire aucun geste, aucun gros mot et faire aucun geste obscène. Mais mettez-vous là. Je prends ma chaise? Oui. Vous savez, à mon âge, je ne crois plus trop au miracle, mais je suis d'accord pour essayer. Alors, quelqu'un y montre? Pas la peine. Top chrono! Kuyaku! Ah, bravo, ça commence très fort! Pardon, c'est le stress. On sait, Martha, on sait. Allez, Martha, on est avec vous. Sous écho! Eh bien, je crois que la démonstration tourne court. D'abord, c'est pas une démonstration, c'est un exercice de solidarité. Bon, Marie, arrêtez de lancer de mauvaises vibrations dans le groupe, ok? Vibration! En même temps, je crois que nous n'aurions pas dû commencer par moi. Ça ne va pas être très bon pour le moral du groupe. Mais non. Mais Martha, vous sentez que vous filtrez quelque chose ou pas du tout? Pile ton cul! Ah, ben là oui, on sent bien le filtre. Mais je sais pourquoi. Au plus je suis tendue et au plus je crise. Comprenez, depuis le temps, je commence à connaître la mécanique. Bon, il reste combien de temps? Allez, 1 minute 45. Ça vous dérange si j'ouvre un peu? Ouvre ton cul, oui! Blanche, pardon. Non mais je vous en prie,
C'est normal. Oh mon Dieu, si le docteur était là, ouais, ben, le il nous trouverait grotesque. Ouais, et ben le docteur, il attend sa passerelle et nous on se démerde comme on peut. Bouffe la merde et bois ta pisse. Et ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Toi ta gueule. Ah oh, bah merci, ça fait toujours plaisir. Sac à merde. Eh bien ça c'était la cerise sur la pièce montée. Je suis navrée, Marie. Mais si je m'excuse encore, je vais me faire sermonner par Vincent. Ah oui, bon, ça va. Je commence par avoir l'habitude. Allez, 5, 4, 3. Ça va, les beaux putes ! Et un petit dernier pour confirmer le fiasco. Je vous avais prévenu, moi. Avec moi, les dés sont pipés, hein, mais d'avance. Bon, allez, écoutez, on enchaîne. Allez. Mais cet échec ne vous suffit pas? Attendez, Marie, il ne faut pas s'attendre à des guérisons spectaculaires, hein? Eh, la raison n'est pas à Londres, hein. Oui. C'est à moi. Je ne dois rien compter pendant 3 minutes. Top chrono. Non, mais il faut me parler, hein, sinon ça peut durer des heures. Hein. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Ah, bah je sais pas, moi, des trucs qui m'obligent à compter, sauf que moi je vais résister. 12 fois 12. 144. Ah, oh, bah ça, c'est ce qui s'appelle résister, oui. Bah, désolé, c'est sorti tout seul. Ah, bah si vous me piquez mes répliques maintenant. Bon, allez, je me concentre. Vous allez voir qui c'est Vincent. Marignan. Rien à foutre. Déclaration des droits de l'homme. J'étais pas né. Réloi. Jamais mis les pieds dans ce département de merde. Bravo Vincent, là vous m'épatez. Ouais, on en fait tout un fromage, mais en fin de compte, c'est pas si dur. Boy! Boy! 747! Oh, ah bah, faut pas baisser la garde avec vous. Allez, vous m'aurez pas trois fois. La prise de la Bastille. Même année que la déclaration des droits de l'homme. Et dalmatien? Sans déconner, hé. Hey. On peut pas prendre les nains de Blanche-Neige pour le pillet. Les péchés capitaux multipliés par les travaux d'Hercule divisés par les Dalton. 12 fois 7 divisé par 4, 21. Fastoche. Pardon Vincent, je ne voulais pas vous piéger. Ah, mais ça c'est de bonne guerre, c'est moi qui voulais demander. Peugeot. 404. Ben, hey, si vous me branchez sur les bagnoles, moi je suis mort. Hein. Victor Hugo. 1802, 1885. Mais les rues de Paris, c'est pareil, je suis taxi, c'est des automatismes. Aspégie. 1000. 4. 500. 10. 314. 10 à l'opard. 12. Les mercenaires. 7. Les petits cochons. 3. Top, 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 top. Le temps est écoulé? Bah non, mais c'est trop nul là! Pourquoi tu dis ça? On était tous avec toi, moi j'ai trouvé ça fort, hein! Fort, fort! Moi, la calculette ambulante, et je me fais niquer par les trois petits cochons! Non, mais trois là-haut! Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait là? On dit au revoir à ceux qui partent, et puis avec Martin on fait une partie d'échelle? Oh, et moi j'ai pas droit à ma thérapie, moi! Non, mais c'est nul, moi j'y prends plus une seconde! Non, mais attends, c'est pas parce que ça a pas marché pour toi, ça va pas marcher pour les autres, hein! Oui, et même si ça ne marche que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer! Non, oui, mais... et même ça de marcher que pour un tel d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Non, mais je voulais pas vous décourager, mais bon, là, franchement, là, j'y crois plus. Bon, vous voulez continuer? Ah, bah, allez, on continue. Bien limité, pourtant. Bon, bah, c'est à qui le tour? Quand qui demande? Non, c'est à moi. Pardon, pardon, pardon. Ah non. Vous ne devez pas vous laver les mains pendant 3 minutes. Ni ouvrir la fenêtre. Ni ouvrir la fenêtre. Merci, Marie. Ah bon? Ah bah oui, sinon, ce serait trop facile, hein. Ah bah oui, sinon, ce serait trop facile, hein. Top chrono. Oh putain, je sais pas ce que j'ai touché. J'ai les mains crades, moi. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. Ah, oh, j'ai les ongles noirs. Ah, oh, j'ai les ongles noirs. Ouais, c'est Marie qui avait raison, hein. Ça sert à rien. Moi, je te souhaite qu'on aille jusqu'au bout. Ah bon, vous avez viré votre cutie, vous? Eh bien, après tout, 3 minutes, c'est rapide. Et si jamais ça peut aider quelqu'un... Mon savon! J'y vais. Ouais, la forêt, là, en tout cas. Hein. Dans ton cul! Oh, elle doit s'en vouloir, la pauvre. Ah, mais faut pas, hein, ça sert à rien. Ah ouais, mais elle doit être minée, hein. Non, mais ça va, Lily s'en occupe. Mais qu'est-ce qu'elles font? Mais non, tiens, elle revient. Ça va, Blanche? Bah ouais, sauf que j'ai craqué tout de suite. Ah,
Allez, on y retourne. Ouais, mais je vous en supplie, ne dites plus des choses comme ça, hein. D'accord, mais acceptez tout de même que je vous prenne les mains. D'autant plus que les miennes sont très propres. Moi aussi, moi aussi. Les miennes aussi. Moi aussi. Oh, moi aussi. Ah, mais elle est pire que moi, elle peut pas se concentrer 10 secondes. Oui, mais en même temps, les phobies, c'est pas facile non plus. Ah, je comprends, mais mon truc avec les lignes, c'est pareil, alors. Mais qu'est-ce qu'on fait quand elle revient? Bah, on va lui donner une deuxième chance. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait juste ça? Ah, bah oui, par contre. Et si on faisait juste ça? Ah, bonne idée. Bonne idée. Ah, oui. Allez. Allez, on fait. Eh, alors là, ça tourne carrément à la séance d'humiliation. Mais non, mais non, mais non, pas avec nous en tout cas. Oh la pauvre. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? On passe au suivant? Oh bah non, on attend qu'elle revienne quand même. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Bon, de toute façon, Barthélémy va 3 fois de suite. La dernière fois est toujours plus rapide. De combien de secondes? 23 secondes. Là, elle va revenir dans 5, 4, 3. Waouh! C'est vrai qu'il y a un chrono là-dedans. Mais dis-moi, ça fait MP3 aussi? Ouais, t'as raison, putain de ma gueule. À vous, Marie! Seigneur, donnez du courage à votre créature. Bon, que dois-je faire? Eh bien, vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Aignez-vous signer. Elle a raison, hein, le tricot interdit. Et allez. C'est tout? Allez, top chrono. Au fait, vous avez vos clés pour rentrer chez vous? Oui, je les ai. Vous êtes sûr? Sûr. Mais vous avez vérifié? Des tonnes de fois. Oui, mais des fois on croit qu'on a vérifié et les clés ne sont pas dans le sac. Soit on a confondu avec un autre trousseau. Soit on les a entendus et c'était tout à fait autre chose. Une barrette ou des pièces de monnaie. Une barrette ou des pièces de monnaie. Et sans ces clés, on ne peut pas rentrer dans l'appartement pour vérifier si on a fermé le gaz, l'électricité, l'eau qui s'écoule dans l'appartement qui va exploser. Ouais, mais vous le faites-vous, hein, pas si c'est moi, ça va. Je m'en occupe. Respirez à fond, Marie, respirez. Voilà. Ça va mieux? Oui, ça va. Ça va. Tu sais, on aurait dit le retour du mort-vivant. Hein. J'ai bien cru que vous alliez passer. Ah, ça vous aurait fait plaisir. Ouais, ça va pas la tête, là, 102. Non, mais hey, moi, contrairement à vous, je vous aime bien. Et vous faites partie du groupe, et le groupe, on n'y touche pas. Allez, 88, pour le compteur redescend. Ça va, Marie, vous récupérez. Ça va aller. Allez. Ça va aller. Continuez sans moi. Pour moi, l'expérience est terminée. Allez, au suivant. Bon, bah, c'est à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va vous poser des questions tout bêtes et vous ne devrez nous répondre qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. D'accord.
D'accord, je vais essayer. Allez, c'est parti. 3 minutes. Allez, top chrono. Lily, vous avez quel âge? 23. Vous habitez où? À Montrouge. Mais tu peux vraiment pas t'empêcher de tout répéter? Bah j'aimerais bien mais j'y arrive pas! Bah j'aimerais bien mais j'y arrive pas! Mais pourquoi? Je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête! Je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête! Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez peur que ça vous tue. Oui, moi ou quelqu'un de ma famille! Oui, moi ou quelqu'un de ma famille! Voilà, c'est bien, il faut que ça sorte! Allez, on est tous avec vous! Merci, merci! Je peux essayer quelque chose? Lâchez, connard! Merci! Lily, répétez après moi! Bora, Bora! Bora, Bora! Bora, Bora! Miu, miu! Miu, miu! Et ben voilà, encore niqué. Et ben, hey, là c'était pas mon tour. Et puis je vais te dire, niqué pour niqué, je préfère que ce soit par un calcul comme ça que par les trois petits cochons là. Oh, la honte. Eh, c'est ça. Mais où là, eh, ça, c'est marrant, hein. C'est toujours sur moi que le groupe s'acharne. Hein. T'as une belle nette de turc là, franchement. Ah là, vous avez de la chance que je sois pas susceptible. Hein. Vous savez ce qui serait formidable là maintenant? Ce serait que Anna réussisse là, on s'est tous plantés. Oui, je sais ce que vous allez dire Anissa parce que Anna l'a encouragée tout à l'heure. Eh ben, pas du tout. Franchement, je trouverais génial au niveau humain
que 5 personnes qui ne se connaissaient pas il y a 2 heures en aident une autre à se surpasser pour tordre une bonne fois pour toutes le cou à ces saloperies de toc. Personnellement, c'est un résultat concret là maintenant ici devant nous. Je ne serais plus triste d'avoir raté et je serais fière de l'avoir aidé à gagner cette bataille contre elle-même. Non seulement ça redonnerait de l'espoir en elle, et ça redonnerait de l'espoir au groupe tout entier. Vous savez ce qui serait formidable? Oh putain, deuxième salut. Personnellement, ça me dérange pas qu'elle répète ce qu'elle a dit. C'était tellement joli. C'était magnifique, vraiment, le cri des cœurs. Ah bah c'est sûr, c'est beau, hein. Mais moi, en attendant, ça me fait la pression grave. Continuez, mon enfant. C'est amusant. Tout le monde a adoré sa tirade quand elle l'a dit en premier. Et quand elle la répète, tout le monde parle de ça. Mais la deuxième fois, il y a quand même moins de suspense. On sait déjà ce qu'elle va dire. Et ça va porter ma vie. Ça nous manquait. Lily, merci pour tes encouragements, ça me va droit au cœur. Mais il faudra pas m'en vouloir si je rate. Hein. T'inquiète pas. Bonne chance. Bonne chance. Et voilà, c'est bisous à tous les étages maintenant. Jalouse. Pas des rétros, Satanas. Oh, attention, méfiez-vous, moi je comprends le latin. Ça veut dire regarde dans ton rétro, sale pétasse. Et vous allez voir qu'il va falloir attendre Blanche maintenant. Vous allez voir qu'avec vos âneries, je vais attendre rater mon train. Ben non, avec votre train, je gère. Et puis de toute façon, Blanche revient dans 23 secondes. Le temps pour moi de briefer Anna. Tant. Mademoiselle Anna, votre mission, si vous l'acceptez, consiste à marcher sur les lignes qui sont sur le sol. Attention, j'ai bien dit toutes les lignes. Les grosses, les petites, les braves, les obliques. Toutefois, si vous-même ou un membre de votre équipe était pris, nos services n'iraient avoir eu connaissance de vos agissements. Attention, cette conversation s'autodétruira dans 5, 4, 3. Ah bah ça rigole bien à chaque fois que je reviens des toilettes, hein Vincent? Ah non, rigole, mais c'était pas conduit, conduit. Non. Anna doit marcher sur les lignes. Ah oui, je me doutais bien que ce serait ça son gage. Ah bah non, oh, c'est pas un gage là, on rigole plus là maintenant, hein. Eh, pas vrai petite. Putain, bon, l'impression. Allez. Je suis sûre que tu vas y arriver. Allez, c'est à toi. Top chrono. Allez, on est tous derrière toi. Allez Anna. Allez Anna. Allez Anna. Allez Anna. Allez, mais tu l'as bien fait tout à l'heure. Allez, vous devez le faire. Allez, vous pouvez le faire, Anna. Allez, pour le groupe. Pour nous, pour nous, pour Jésus. Oh non, carton jaune, là. Pas de publicité clandestine pendant le travail. Non, mais lancez-vous, vous verrez bien. Non, je peux pas, je suis bloqué. Non, mais là, tu fais une ligne, là. Non, je peux pas, c'est trop dur. Mais juste une. Pour me faire plaisir. J'aimerais tellement. Pour me faire Allez. Plaisir. Ok, une petite. Allez, just do it, comme disent les Jones. Lily, si je le fais, j'aurai le droit à une autre bise. Deux mêmes. Allez. Ok, j'y vais. Et c'est quand tu veux, nous, on est prêts. Encouragez-moi encore. Allez, Anna. Allez, Anna. Allez, Anna. Allez, Anna. Je peux pas, je suis bloquée. Bon, et si je te pousse hein? Non, c'est pas ça. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ah ben, bon, si elle n'arrive pas toute seule, on peut quand même l'aider, non? Non, ça vient d'elle. Oh oui, bien sûr. Allez, on encourage encore. Bon. Allez, on encourage encore. Alors, je vous l'avais dit, hein. C'est promis, vous êtes tous déçus, désolé. Mais non, c'est pas grave. Mais non, c'est...
c'est pas grave. En même temps, passer la dernière, c'est pas facile non plus. Mais j'aurais raté même si j'étais passé la première. Bah, on peut pas savoir, à moins de recommencer à l'envers. Hé, hein. Oh, mon train. Oh, mais vous me faites chier, mon train. Oh, bah, vous pouvez pas dire déféquer, comme tout le monde. Bah oui, enfin, Vincent, quand même, un petit peu de distinction, quand même. Hein. Mais, eh bah, là, je dis que ça fait chier parce que j'en ai plein le cul. Oh, Vincent, arrêtez un peu d'énerver Marie. Vous voulez qu'elle nous refasse une crise de catalepsie ou quoi? Eh oh, oh, eh, son cinéma, on connaît. Hein. Tu pousses un peu quand même! C'est honteux de dire une chose comme ça! Non, non, mais Vincent n'a pas voulu dire ça! Si, si! Votre méchanceté! Eh ben, comme ça, j'aurais chaud au cul, c'est pas possible! Et continue en plus! Si j'ai pas peur de me salir, je vous giflerai! Si vous faites ça, je vous jette dessus! Ah, 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 papa, tu vas trop loin! Le corps, il t'emmerde! Ah, j'y peux rien, c'est des automatismes, tu taxi, hein. Oh, Satan, sors de ce corps. Mais vous avez raison, Satan l'a dit. C'est de la merde. Entends le perroquet, ça va. Coucou, coucou. Mais je sais pas ce qu'ils vont dire de te casser la gueule. Eh ben moi je sais, c'est mes lignes. Eh ben moi je me moque quand je veux. Et puis alors les gros mots, moi je les dis qu'une seule fois. Et j'ai peur ni des lignes, ni du bon Dieu, ni des microbes. Ah, vous jouez un type sympa comme ça, mais à la finale vous êtes une vraie peste. Oh là là, la peste. Quelle horreur. Je sais ce que je parle, je l'ai. Non. Si, je suis la rougeole. C'est pas la scarlatine. Ah, la lèpre, le palu et le choléra. C'est pas vrai. Si. Et puis j'ai la peste aussi. Du cœur et génital, les deux. C'est pas parce que vous êtes plus âgé que l'un blanche ou moins qu'il faut vous rendre tout permis. Et la prochaine fois que vous en prenez quelqu'un du groupe, moi je prends le sac à Marie, je mets un presse-lit dedans et je vous éclate les doigts avec. Compris, même, oh, oh. C'est pas parce que vous désolé, mais c'est cette séance qui m'a mis les nerfs. Ouais, bah c'est pas une raison pour se venger sur nous. Là, je sais, j'ai été très con sur ce coup-là. Ah oh, oui, con comme un taxi. Ouais, ça va, elle est où, la charité était très bien. Dans ton cul. Il y a un problème. Oh, non, non, non. Comment on va prendre des coups? Oh, ça c'est bien. Je voulais tellement que tu y arrives. Bah, moi aussi. Hein. J'en ai mis un billet là-dessus. Bah, moi aussi. Hein. C'est un gros en plus. Hein. Toi aussi. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir encouragé, hein. Ah oui, ça, tout le monde a donné de la voix. En fait, Anna, on vous a encouragé combien de fois? Aucune idée. Vincent? Oui? On l'a encouragé combien de fois? Chacun? Non, en tout. En tout? Mmh. Je sais pas. À la louche. Ah, à la louche. Je sais pas non plus. Hein? Et seulement vous? Seulement moi? Je sais pas. Comment, vous, Vincent? J'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? Bah non, j'ai pas compté. Je m'excuse. Mais c'est génial! Quoi, je m'excuse? Mais non! Vous venant de vous, Vincent, c'est quand même surprenant que vous n'ayez pas compté. Comment ça se fait que vous n'ayez pas compté tous nos encouragements, vous qui comptez absolument tout? Bah, j'étais focalisé sur la petite, et moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle marche sur ces putains de lignes, et puis le reste... Et si c'était ça, la solution? Quoi? 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 Eh bien, je ne sais pas. Ne plus se regarder, s'oublier. Pourquoi vous dites ça? Vous n'avez rien remarqué tout à l'heure? Non, quoi? Quoi? Bah non, il fallait remarquer quoi? Bah non, il fallait remarquer quoi? Bah ouais, quoi? Personne. Non. Non. Mais quand Anna est partie chercher de l'eau pour Marie qui s'est poussée, eh bien... C'est bon. Elle a marché sur les lignes. Oh. Ah oui, c'est vrai. Et pas qu'une en plus. Hein. Moi, je dirais la louche entre 16 et 18. Hein. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Mais pas du tout. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Ah non, Marie est en train de s'étouffer, alors j'ai fait au plus vite. Mais alors, ça veut dire qu'elle m'a réussi? Mais alors, ça veut dire qu'elle m'a réussi? Eh oui.
pas au moment où on l'attendait, mais elle a vécu les lignes, c'est un fait. Ouais, mais ça compte car c'est le tournant, non? Mais pourquoi ça compte pas? Mais pourquoi ça compterait pas? L'important c'est le résultat. Tout à fait, tout à fait. Ah ben à ce compte-là, j'ai réussi aussi, moi. Parce que j'ai pas compté vos encouragements alors qu'il y en avait bien au moins 125. Oh, finalement, 2 sur 6. C'est déjà pas si mal, ce n'est plus le fiasco annoncé. Ouais, et annoncé par qui? Oh, il est vrai, je n'y croyais pas du tout. Mais force est de constater que 2 sur 6, c'est déjà très bien. Et 3, c'est encore mieux. Et 3, c'est encore mieux. Pourquoi il y a un troisième? Non, pas un troisième, une troisième. Non, pas un troisième, une troisième. C'est qui? C'est vous, Blanche. Ah bon, c'est moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bah, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconfortée et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Ah bon, vous êtes sûre? Bah, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconfortée et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Alors là, ça en décale toute une phrase en même temps. Ah, qu'est-ce que je disais? Mais comment ça se fait que ce coup-ci, vous ne vous êtes pas lavé les mains? Eh bien, elle n'y a pas pensé parce qu'elle était focalisée sur Lily. Voilà. Mais attendez, c'est énorme ce qui se passe! On pensait que tout on avait raté, mais en fait c'est le contraire! Ah, mais ça! Dès qu'on arrête de se regarder le nombril! Ah bon? Est-ce que vous dites le nombril, vous? Eh bien, oui. Eh bien, vous avez déjà eu un pénis dans votre pubis? Alors vous, on vous donne ça et vous prenez ça! Oh! Mais. C'est vrai que d'habitude, quand quelqu'un me touche ou que je touche quelqu'un, après je me lave les mains. Là, j'ai pas pensé. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. C'est qu'en prenant les mains de Lily tout à l'heure, vous lui avez donné énormément d'amitié. Et l'amitié, c'était pas sale. Oh putain, c'est beau, on dirait du pagnol. Eh, mine de rien, on est quand même à 50% de réussite. Et peut-être qu'on en oublie. Sûrement, sûrement. Ah non, mais c'est génial, cette séance de rattrapage. Bon, à qui tour? Continuez sans moi, je reviens. Eh oh, mon train! Eh non, mais si vous prenez pas celui-là, vous prendrez le prochain. Le prochain? Mais il en a de bonnes, lui. Et pourquoi pas le suivant, tant que vous y êtes? Bon, allez. C'est quelle destination? Quel horaire? Quel gare? Paris-Melun, 18h20, Gare de Lyon. Gare de Lyon? Eh... Mais c'est ma gare, ça! Détends-toi, du gland! Oh! Ah, j'ai trouvé! Quoi? J'ai trouvé quelqu'un d'autre qui a oublié son top pendant une seconde! C'est qui? C'est le colonel Moutarde qui a tué Mademoiselle Rouge dans le salon avec un chandelier. Non, Vincent, c'est important. Alors, c'est qui? C'est Marie! C'est moi? Oh, d'où Jésus, mais quel bonheur, mais quand? Bah, tout à l'heure, sans le vouloir, bien sûr, Martha, vous avez traité Marie de sac à merde! Ah oui, je me souviens. Oui, c'est possible. Et alors, elle n'a pas vérifié son sac. Et pourquoi elle aurait dû le faire? Bah parce qu'à chaque fois que quelqu'un prononce le mot sac, elle se jette sur le sien pour tout vérifier. C'est comme un réflexe. À la preuve, là. Ah non, mais là, c'est parce que je voulais vérifier que j'avais bien mes... Mais oui, je les ai. Mais vous vous souvenez pourquoi vous n'avez pas vérifié votre sac à ce moment-là? Ah ben non, mais il est vrai que j'étais tellement outrée que je n'y ai même pas pensé. Mais c'est super! Du coup, en admettant que Marie a combattu son top, bah, il reste plus que 2 personnes, vous, Martha et Lily. Non, mais moi, je ne compte pas, je l'ai déjà dit. Bah, du coup, essayons de voir où Lily a fait un effort. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété, hein! Mais attends, tu pars battu, là! Eh, elle l'aime, sa Lily, hein! Ah, mais est-ce que t'es lourd, toi? Oh, y a pas de honte à être attiré par quelqu'un, hein! Mais j'ai pas honte! Et puis d'abord, si Lily elle veut qu'on se revoie après, bah, je lui donne mon numéro. 06 12 80 18 23. 06 12 80 18 23. Eh ben, 06 c'est pas tombé 12 dans 80 18 23. Ah, oh, vous allez voir qu'on va finir par les marier, ces deux-là. Pas forcément. Si ça se trouve, elles vivront dans le péché. Oh! Lily, tu es sûre que tu as tout répété depuis que tu es avec nous? Tout. Tout, sauf deux lettres. Lesquelles? Juste une syllabe. Quelle syllabe? Pi. Pi, mais c'était quand ça? Ah oui, je me souviens, c'était pendant le tour de Vincent. Même qu'il a dit 3-14. Oui, encore, je vous ai évité toute la suite, hein, c'est sans fin. Bon. Mais ça compte, ça, de lettres? Et pourquoi ça compterait pas? Oh, vous êtes trop mignonnes toutes les deux. Sauf si vous avez de l'herpès ou quelque chose comme ça. Eh ben moi, je sais pourquoi Lily a pas répété Pi. Oh, et revoilà Monsieur Vincent dans toute sa splendeur. Toujours plus fort que les autres.
Ouais, réfléchis, Sylvie. Si Lily avait répété pi, ça aurait donné pipi. Elle est bien trop polie pour dire une chose pareille. C'est QMD. Lily. Oui, oui. Quelle est la lettre dans l'alphabet qui vient juste après le J? Caca. Bon, autant pour moi, j'ai rien dit. Non, mais à mon avis, c'est comme pour nous. Elle était dans le feu de l'action, concentrée sur Vincent, puis pendant une seconde, elle a oublié son toc. Bah, une seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Bah oui, mais c'est arrivé combien de fois en 10 ans? À la louche. Jamais. À la louche. Jamais. Alors Lily, cette seconde, elle est précieuse, tu comprends? C'est de l'espoir en branche. Si tu comprends, tu me dis oui une fois. Juste une fois. Oui. Je sais pas, mais on peut chercher quand même. On peut bien prendre 2 secondes pour gamberger. Eh oh, 2 secondes, hein, parce que... Chouchou. Oui. Voyez, je le savais. Je viens de voir le docteur, il sort de l'avion, il arrive. Oh, il vous demande de bien vouloir l'excuser pour tous ces contretemps indépendants de sa volonté. Et il espère que vous pourrez tous l'attendre. Eh mais il est où là? Ah bah si, il saute dans un taxi. Bah tu parles à ce temps-là avec le bordel qu'elle a pour 1 heure, minimum. Oh. 1 heure impossible, mais j'ai mon train moi. Voilà. Votre train vous l'avez loupé alors. Hein? Oui, depuis 10 bonnes minutes. Mais vous m'avez dit que vous me diriez. Eh ben je vous le dis, vous l'avez loupé. Oh vous êtes... Sympa. Allez, vous allez où déjà? Mais je vous l'ai dit, à Melun. Melun? C'est la province ça, ça va douiller grave. Allez, je suis pas chien, je vous ramène à votre domicile dans mon automobile. Mais je ne peux pas prendre de taxi moi. Ah, c'est gratuit. Oh, c'est très gentil, merci. Mais vous allez voir, ils vont finir ensemble, les deux. Ah non, c'est juste comme ça, un coup, en courant. Vous n'attendez pas le docteur? Non, on a s'attendu pour aujourd'hui. Et vous pouvez lui faire une commission? Bien sûr. Bon, ben, vous lui direz qu'il a bien fait de revenir, parce que je sais pas ce qu'on aurait fait avec lui, mais franchement, ça m'étonnerait que ce soit meilleur que ce qu'on a fait avec lui. Ouais! 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 Vous lui direz aussi que j'étais contre au départ, mais totalement pour à l'arrivée. Quant à moi, dites-lui que... Tribulation. Non, pas ça. Non. Dites-lui que... Oh non, après tout, je lui dirai moi-même. Ah bon, vous allez l'attendre? Oui, je vous rappelle que je suis à la traite. Oh, j'ai tout mon temps, hein. Et puis je ne renonce pas à une petite consultation en privé. Ne serait-ce que pour savoir ce que le grand docteur Stern va me dire. Mais je doute bien qu'il soit aussi fort que vous, hein. Mmh. Allez les jeunes, c'est open bar aujourd'hui, je vous dépose. Ah non, c'est pas un homme et des poses en scooter. Non, je vous dépose aussi. Non, j'ai ma voiture, merci. C'est quoi, une ambulance? Au revoir. Au revoir, Mimi. Martha. Fils de pute. Merci, Martha. Moi non plus, je ne vous dirai jamais. Tenez, je vous laisse ma carte. Merci. Si
si vous avez besoin d'un taxi, bah, ne m'appelez pas, hein, parce que je serai certainement pris. Par contre, si vous voulez parler à un ami, c'est le même numéro. Merci Vincent, c'est très gentil. Allez. Merci, merci. Je suis ravie de vous connaître, vraiment. Rapproche. Je suis ravie de vous connaître, vraiment. Moi aussi, charmante Lily. Vraiment. Vraiment. Tiens, quand je t'en donne deux. Et ce matin, on ne se connaissait pas, mais ce soir, vous faites tous partie de ma vie. Pareil pour vous, Anna. Ah. Martha. Oh, Blanche. Non, je veux pas de bisous, merci. Ah, non, je voulais juste vous dire que c'est pas parce qu'on s'en est pas rendu compte que vous avez pas réussi à vendre votre toque à un moment donné. Hein. Merci, Blanche. Ça me touche beaucoup. Pour une fois que je peux toucher quelqu'un. Au revoir. 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 Je le garderai toujours sur moi. Dans le doute. Et pas de répillon. Ne connaissez pas, vous. Comment vous savez, moi, les remplaçants, hein. Ah, mais vous m'avez fait mal. Oh, mais non. C'était juste un petit coup comme ça. Je crois même qu'ils étaient bien mieux que ceux de Bruxelles l'année dernière. Et même ceux de Lille. Vous n'êtes jamais aussi bonne que lorsque vous travaillez dans votre langue maternelle, vous le savez bien. Rappelez-vous la séance de Lausanne d'il y a 2 ans. Ah, Lausanne. Ah, mardi nous serons à Barcelone, séance à 15h30. Vous vous souvenez? Claro que si. Hero de puta. Merci d'être venu et on a été vraiment très heureux de vous présenter cette pièce de Toc Toc qui a été écrite, hein, c'est une pièce qui a été écrite par Laurent Baffy, qu'on peut applaudir parce que c'est un professeur. Et alors, tous les gens qui étaient sur ce plateau, ce sont tous les gens de la classe théâtre adulte de l'École des Arts. Et alors, je vais vous les présenter dans le rôle de Lily, Philomène Goulet. Dans le rôle de Marie, Martine Blantailleur. Dans le rôle de Blanche, Mélanie Mauclair.
Dana Aurore Deveau. Dans le rôle de l'assistante Marie-Hélène Muraz. Dans le rôle de Vincent, Patrick Ruffier. Et notre assistante souffleuse, Marie-Vonne Lécavoli. Cette pièce de théâtre a été mise en scène par notre professeur de théâtre, William Green. Dans le rôle de Martha et du docteur Stern, Nathalie Chameau. Un petit truc, c'est mon épouse, alors répéter des pièces comme ça sur 14 mois, un salope. Aucune idée. Oui. Alors, ce soir, cette pièce n'a pas été jouée par 7 comédiens. On applaudit le 8e. Et je disais encore hier, il est temps que la pièce se termine dimanche. On est arrivé au bout. Je tiens aussi à remercier quelqu'un qui n'est pas là ce soir, qui sera là demain, qui était là hier. C'est notre assistante aux aménagements techniques, Santa Suras. Je tiens aussi à remercier spécialement, vous avez pu voir sur ce plateau de merveilleuses toiles et peintures qui ont été réalisées spécialement pour cette pièce. On applaudit ici cette artiste peintre qui se nomme Rosa. Elle sera là demain. Et je tiens à remercier tous les personnels de la communauté de communes Cœur de Tarentaise, communication, services techniques et bien sûr toute l'école et l'administratif pour réaliser ce projet sur 14 mois. Voilà. Et je tiens surtout, et nous tenons, surtout, parce que je les admire, mais surtout, vous dire merci d'être venu et d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes un public fabuleux. On a bien rigolé. J'étais derrière. J'étais avec vous. Ils étaient avec vous. Merci pour cette belle soirée à vous. Et à très bientôt.